Dans ce tutoriel, on va parler des radio buttons. Les radio buttons sont consacrés pour être mis ensemble dans un seul groupe. De cette manière, on empêche la multi-sélection. Les radio buttons prennent généralement la forme suivante. Donc, les radio buttons doivent être mis dans un seul radio groupe. De cette manière-là, on empêche la multi-sélection. Dans ce tutoriel, on va inviter l'utilisateur de choisir sa fonction. Est-ce qu'il s'agit d'un étudiant ou d'un professionnel? Et puis, on va lui inviter à cliquer sur un bouton affiché. Lorsqu'il clique sur ce bouton-là, un toast doit apparaître. Ce toast doit afficher ce que l'utilisateur a coché. S'il coche étudiant, donc le contenu textuel du toast sera étudiant et professionnel dans le cas contraire. Donc, nous devons débuter par créer notre interface graphique. Donc, au niveau de notre fichier activity-mail.xml, nous devons tout d'abord mettre un radio group sous notre linéaire layout. Donc, le radio group existe sous la catégorie button au niveau de la palette. Donc, sous buttons, ici radio group, ici je vais utiliser le component tree. Donc, je vais faire drag and drop sous le linear layout au niveau de la component tree. Voilà, donc ici j'ai un radio group. Nous constatons que le radio group ne possède pas d'ID. Donc je dois lui affecter un ID. Je vais l'appeler par exemple GRP. Voilà, donc le radio group a GRP comme ID. Et maintenant, au niveau de ce radio group, je dois mettre mes boutons radio. Donc je dois vérifier que le radio button soit placé sous GRP et non pas sous linear layout. De cette manière-là, je vais empêcher la multi-sélection. Donc, les radio buttons doivent appartenir à un radio group. Au niveau de la même catégorie buttons, j'ai les boutons radio. Donc, je vais faire drag and drop pour le premier radio button. Ici, je dois vérifier que mon radio button est placé sous GRP et non pas sous linear layout. Donc, ici, je vais mettre mon radio button. Donc, je vais modifier l'ID de ce radio button. Je vais le nommer par exemple étu. Et bien sûr, je dois modifier le texte. Donc, ça doit être étudiant. Il me reste un second radio button. Donc, le second radio button doit être placé sous le radio group GRP. Donc, ici, comme ça. Donc, j'ai le second radio button. Ici, je vais mettre un ID différent. Donc, ici, PR, par exemple, pour professionnel. Et ici, je dois modifier le texte. Professionnel. Voilà. Donc, maintenant, il me reste le bouton. Donc, le bouton doit être placé directement sous le linear layout et non pas au niveau de GRP. Donc, ici, nous constatons que le layout height de GRP est égal à match par 1. Cela empêche le bouton d'apparaître. Donc, je dois convertir le layout height du radio group à wrap content. De cette manière-là, le bouton aura un endroit pour être affiché. Donc, je vais placer maintenant le bouton sous ce radio group là. Donc voilà la hiérarchie. Donc ici, button, il n'est pas au niveau de radio group, mais au niveau du linear layout directement. Voilà, au niveau de mon linear layout, j'ai deux éléments, un radio group et un button. Et sous le radio group, j'ai deux radio buttons. Donc c'est terminé, ou presque, pour la partie XML. Juste, il suffit de donner un ID différent pour le button et un texte affiché. Voilà, donc nous avons terminé la partie XML, il nous reste la partie Java. Donc, ici, je dois définir des variables de même type que les éléments qui existent en Java. Dans mon cas, je vais déclarer une variable de type radio group, je vais l'appeler G. Je vais déclarer une variable de type
button, je vais la nommer B, et je vais déclarer juste une seule variable de type radio button. Et je vais la nommer RB. Pourquoi une seule radio button et non pas deux? Parce que dans mon cas, j'ai besoin juste du radio button coché et non pas des deux radio button. Maintenant, au niveau de la partie onCreate, sous cette content view, je dois faire les find view by ID. Donc, pour G, je vais faire G est égal find view by ID entre parenthèses r.id.glp. Voilà. Donc, pour le bouton, donc B est égal find view by ID r.id.btn. Voilà. Maintenant, je vais attribuer un listener à mon bouton pour effectuer le clic. Donc, b.setOnClickListener. La méthode setOnClickListener doit avoir une implémentation de l'interface onClickListener. Donc, je dois taper new, espace, O majuscule. Il faut vérifier que le O soit tapé en majuscule. Donc, il m'affiche le view.onClickListener. Je vais la choisir. Voilà. Maintenant, au niveau de la méthode onClick, je dois définir mon action. Pour le moment, le RB est encore vide. Le ready button que nous avons déjà déclaré, il est encore vide. Il n'a rien reçu jusqu'à ce moment-là. Cet RB va recevoir le ready button coché par l'utilisateur. Donc, pour résoudre ce problème-là, nous devons récupérer l'ID du bouton radio coché. Une fois nous récupérons l'ID du bouton radio coché, le problème sera résolu. Donc, en Android, il existe une méthode qui s'appelle getCheckedRadioButtonID. La méthode getCheckedRadioButtonID est une méthode de la classe RadioGroup. Elle permet de retourner l'ID du bouton radio coché au niveau de RadioGroup. L'ID, c'est un entier. En Android, les ID, ce sont des entiers. Donc, dans ce cas-là, je dois créer une variable de type entier. Donc, int x, par exemple, égale. Donc, nous avons dit que getCheckedRadioButtonID est une méthode de la classe RadioGroup. Donc, j'ai mon RadioGroup, G, dans ce cas-là, qui s'appelle G. Donc, G, point, get getCheckedRadioButtonID. Voilà, la méthode est apparue. La méthode getCheckedRadioButtonID. Je vais choisir getCheckedRadioButtonID. Donc, maintenant, X contient l'ID du bouton radio coché de l'utilisateur. Normalement, notre problème est résolu. Maintenant, nous pouvons remplir le RB. Donc, on va faire RB égale find view by ID. Et comme nous l'avons dit auparavant, le find view by ID reçoit comme paramètre l'ID du bouton radio coché. Le bouton radio coché, ici, son ID est mis au niveau de la variable X. Donc ici, je dois mettre X au niveau de find view by ID. Il me reste maintenant d'afficher mon toast. Donc toast.makeText. Le premier paramètre, c'est le contexte. Notre contexte, c'est mainActivity.this. Le deuxième paramètre, c'est le texte à afficher. Le texte à afficher, c'est le contenu textuel du bouton radio coché. Le bouton radio coché, ici, c'est RB. Donc, RB.getText. Finalement, il faut mettre la durée. C'est length long ou length short. Donc, et il faut afficher le toast avec la méthode .show. Voilà, donc nous avons terminé le code de notre activité. Maintenant, nous devons lancer l'exécution. Donc, j'ai un running device qui s'appelle NexusOne API 26. Donc, j'appuie par la suite sur run. Il faut attendre un peu.